if you owe me some. For anybody not trying to be giving none. Body the body and leave the body slum. Body in these rappers for a living. So, trying to make a million while I'm living. On va voir qui du striker ou du grappleur sera imposé son style. Oui, ça promet d'être passionnant. Un coup de poing totalement inefficace. Quelle puissance dans son coup de pied. Et la droite passe. Joli. Oh, c'est bloqué. Il marque des points. Superbe variété de coups. Ah, le coup de pied à la jambe, joli. Il faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Oh, droit au corps, gros coup de pied. Oh, la droite qui touche. Oui, la préparation était parfaite. Joli coup de pied. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Attention à ce coup de pied à la jambe, c'est un signe. Ah non, c'est un coup. Son adversaire sait qu'il va devoir travailler pour s'approcher. Et la frappe touche. Encore un coup qui vient finir dans les gants. Ouais, il est impérial en défense. Une garde à montrer dans les écoles. Le low kick qui passe. Il touche avec ce high kick. Son jab est efficace. Et les deux adversaires donnent tout. Ouh, ce low kick a dû faire mal. Et ça connecte. Masvidal a un super menton. Il est dur au mal. Il n'a peur de rien. La frappe du droit touche parfaitement. Il manque son jab. High kick, quelle puissance. Ah, ça touche. Ah oui, un bon coup de pied. J'ai adoré son style là-dessus. Il touche sa cible avec ce coup de poing du cou. Guerrier ultime. Il s'enchaîne bien. Et il inverse sa garde. Il se relève. Encore 20 secondes. Kick qui vient claquer. Il se sert de la gravité pour frapper plus fort. On voit la chute. Allez, le deuxième round avec Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. L'arbitre sous l'action. Un boxeur pro. Un low kick. Raté. Wow, et c'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe!